Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekkai et on se retrouve sur EU4 avec Macrindor. Salut tout le monde. Donc, et je suis bloqué hein, parce que c'est quand même un peu galère. Hein. Ah bah ça, moi c'est à peu près pareil. Et de mettre sur la gueule de Tsang. Tsang, il a qui en ennemi? Je suis con, j'ai qu'à regarder ça. Il a ennemi, il a Assam. Assam, Katmandou et Gorka. Assam, ah bah Assam, j'ai mal avec Assam. Tsang et Mongkwang. Oh putain, il est comme ennemi les deux mecs sur qui j'ai envie de mettre sur la gueule Assam. Assam. Augmentons notre relation. Bah, je vais taper dans une carte, je vais te donner du territoire. Si, je lui donnerai le territoire de Outnaz de Limbuan là-bas. L'entretien des troupes. Voilà. Armée est arrivée. D'ailleurs, la première nif a appelé la gueule parce que elle m'avait prêté 40 balles, jamais rendu. Tu Faire gaffe à qui on prête du fric, hein. Ouais. m'étonnes. On a prêté de l'argent à des mecs sur des chevaux et musulmans qui plus est. C'est ça. Comment dire? Je crois que t'as pas tout compris, toi. Bon, chaque attaque sera pas fin de guerre, non? Contre Guge ou Sarigugi, un truc comme ça. Tu veux une alliance, coucou? Ouais, pourquoi pas. Irène, il m'a insulté. Aïe, l'enculé, je vais Quel niquer sa méchant. mère. Ouais. Qui va mourir. Oh, c'est pas dit que cette guerre-là où on voit les troupes de Mossoul qui sont en train de s'épuiser contre des rebelles de Nogai. Mais c'est bien parce que dans 6 ou 7 ans, bah, j'aurai assez de points pour pouvoir taper sur Moscou s'ils se relèvent pas de cette guerre. Surtout que c'est la guerre qui peut durer longtemps, C'est ça, quoi. c'est... Oui, parce que la capitale est occupée par des tribus. Ah! Transoxiane va peut-être récupérer la capitale. Enfin, il met du temps. Pas pressé. Assam, je pense que t'as remarqué, on a tout pour être potes. Ouais. Quatre, six, cinq, cinq. Guge qui veut traverser mon territoire, pas de soucis. Ah, c'est bien ça. Si Guge en guerre. Oh, Tsang en guerre contre Chagatai. Je regarde l'histoire. Qui a déclaré la guerre à Okay. qui? C'est Chagatai qui a conquest of Guge. Donc ça veut dire que. Oh, c'est tout bon ça. Bengale à Mongolie? Non. Donc ça, c'est tout bon. Putain, oh, le stack de Moscovite. C'est beau ça. Prenez l'attrition, mangez, mangez l'attrition. Ça, c'est une putain de bonne nouvelle, moi, de voir les deux là qui sont en train de mettre sur la gueule de l'autre côté. Attends, si Chagatai a les couilles pour déclarer tout seul la guerre contre les autres Pécores. Surtout que ce qui est bien, c'est que là, comme ça fait une guerre là-bas, si moi j'attends qu'il soit parti, je déclare la guerre dans l'autre sens. Jagu, j'y viens pas. Il n'y a plus que l'Agat, Tirout et Limbuan. Ouais. Ouais, sachant que l'Adax, c'est je crois 6 000 ou 7 000 hommes qui doivent être. Vu qu'il est frontalier avec le Chagatai, il doit être dans le Chagatai. Que là, je viens de voir les troupes de Tsang se barrer. Donc là, on prend l'armée.
Entretien de l'armée au taquet. Ouais, on va lui mettre sur la gueule. On va mettre. Il est où mon chef skilled? Oh! Il va traverser mon territoire. Non. Ah non, merde. Tu sais, il était en train de passer pour aller taper l'autre, il passait par Jigu. Jigu, c'est chez moi. Je dis, vas-y, passe chez moi, bloque-toi sur moi. Et une fois arrivé sur moi, si j'aurais fait déclaration de guerre. Oh putain, j'ai assez à mon allié. Et si je déclare la guerre à lui. Oh, c'est beau, je vais pouvoir déclarer la guerre. Assam, je lui donne du territoire. Ah, faut que je pense à me mettre mes territoires d'intérêt. Oh putain. Ça, ça. Un an, je tape sur nos gars. Ouh. C'est ce que j'ai appris, c'est que si je mets des territoires en disant c'est des territoires d'intérêt. Et que tu déclares la guerre, ben le l'autre il est pas frustré si tu prends les territoires. Donc Shanghai contre Tsang Tirut, Ladakh et Limyuan. Ça devrait le faire. Lhasa, qui est un fort de capitale. Qui a si. Ah non, c'est l'armée de Guge qui est là. Bon, dans un an, j'ai Fous Nogai, vu ce qu'il a pris, comme, branlé le pauvre machin. Ah, j'ai Corée. Allez-y, loquez-vous les gars, je vous défonce dans votre capitale. Ah, c'est la montagne. Non, je vais peut-être pas vous défoncer dans votre capitale. Je vais peut-être éviter. Je l'ai pillé. Oh, pourquoi il n'y a pas de territoire pour lui, sans qu'il est. Là, je fais la technique de ça en fait. Il donne un ordre de déplacement vers une troupe. Ouais. Je mets moi-même un ordre de déplacement. Comme si. Ah non, je vais me faire péter le fion. La jungle, c'est quoi? C'est de la jungle, on va éviter. On avance là-bas. Ajam, va aller protéger ton territoire. De toute façon, Tirut, il est là pour occuper. Enfin, Assam est là pour occuper l'ennemi. Il n'est pas là pour m'aider dans ma guerre. Résonnerait chez le Non, russe. on va pas y aller. Bon, bah moi, vous voyez que les gens de mon côté, c'est très, 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 très calme. Moi, comme d'hab, Chagatai il fait la guerre, il a plein de provinces qu'il pourrait prendre. Tu pourrais pas prendre Ladakh, t'as pas des claims dessus, Chagatai de mes couilles. C'est Cyrine. Non, il veut pas. C'est l'Ouzbek qui a des claims sur Ladakh, mais pas Chagatai. Tu vois, Chagatai il va prendre que Gugj. Donc, les War Enemies. War Enemies. Ah oui, d'accord, les War Enemies ont un tout petit peu de manpower par rapport à moi. 11 000, 12 000, 12 000, 13 000. Bon, par contre, en force limite, je ne sais pas trop ce que c'est que la force limite.
Pour la force humide, je connais, hein. Parce qu'il y a Dark Vador qui est soufflé. Oh putain, c'est du grassland, ça. Oh, c'est de toute beauté. Je vais aller les défoncer. On est au Bengale. T'inquiète, mon gars, j'arrive. Bouge pas, je dis ce qu'il a dit. Allez, on y arrive. Avec mes 6000 cavaliers. Allez, vas-y, faut juste que tu tiennes et je viens mettre des claques. Oh putain, si lui, il y va aussi, Tsang. Allez, là, je suis en train d'arriver, les mecs, ils sont en train de dire « Non, c'est un malade, lui !» Non, pas dans les montagnes, venez pas m'emmerder dans les montagnes. Les mecs font pas ce que tu veux, il faut ce qu'il faut pour te faire chier, en fait. Mais il faut aller là-bas. Allez, on va essayer de l'aider. Voilà, je suis venu l'aider. Voilà, comme ça, on les défonce. Glimbuan. Tiens, Sarig, va me choper ça, toi, avec te branler les couilles. Moi, je vais prendre sa capitale, histoire de sortir de la guerre. Bon. Limumon, voilà, 25. On y prend son fric. Ah, c'est quoi ça comme mission? Ressourcir Alice. Là, ici. Alors, augmenter le manpower ou augmenter les taxes et la baisser la corruption. Bah, vu l'état de mon pays financièrement, on va augmenter les taxes et baisser la corruption. Moi, je pense que c'est la bonne solution. Bon, alors, nous gâchons avec ce mec. Comme d'hab, je suis en guerre, t'en as un qui a décidé de traverser le monde pour aller. Je sais pas ce qu'il va faire, mais il va traverser le monde. Il a dit Gazikubu qui est occupé à 89%. Le mec a pas compris exactement avec qui il fallait s'allier ou pas. Ça, je te dirais, c'est presque normal. Oh putain, la Moscou va faire un avertissement. Si j'éclaire la guerre, nos gars, ils interviennent. Mais carré, quel casse-couille, ces mecs. Bah après, ouais, je peux. Putain, je peux pas. Il est allié avec qui, nos gars? Oh, allié avec Gazikumouk. Bah si tu éclaires la guerre à Gazikumouk. J'ai une trêve de 5 ans. Enfin, ah 4 putain, ans. Il est occupé par Shirvan. Bien sûr, Moscou va intervenir. Hein. Non mais il est à Moscou, enfin que je le broie tôt ou tard hein, ce con. L'Ouzbek, ah non bah je suis déjà en guerre, blablabla. Et puis je le fais pourrir. Hein. Akulu, t'as passé de faveur, pour le tournoi t'as passé de faveur. Super. Et ce blocage. Ah tu retires là, ok. Oh, t'as le Chagatai qui va se faire défoncer, je pense, à un moment, là, dans les montagnes. Il va se faire taper dessus par deux armées. Ah bah non, il est pas en guerre contre eux. Pff, j'y pige plus rien dans ces guerres. Guerrero. Bon, on va t'as le Chagatai qui est sur les provinces, mais ils sont pas en guerre contre lui, mais ils sont en guerre contre moi. Pff, là là. Ah, il y a Moscou qui brise des bionnes. Ouais, je suis en guerre contre la Livonie maintenant. Ah oh, putain. C'est vraiment un cancer ce pays. Là. Ah là là. Assam, t'es en guerre contre qui? Contre 5 Mong Kong, oh ce bordel. Non mais attends, c'est pas que c'est ce débit qui a décidé d'attaquer Assam. Ah non, c'est Defender in the Mong Kong Conquest of Sadia. Ah d'accord, c'est un autre. C'est-à-dire que quand l'avertissement. Ah, février 72. Peut-être que dans quelques mois, je pourrais dire, ouais, mais c'est gentil, hein.
Allez, dès que j'ai sorti ça, ça ira mieux. Le pire, c'est ça, hein. Février 72, c'est dans même pas un an. Satyrus et la DAC. Traité noir, Moscou me dit même pas en rêve. Ça pue ça par contre, 61 dehors d'Unity. Ah. 58, hein. Je suis un peu la gueule moi aussi. Hein. Oh putain. Ah bah je me suis tapé moins 30 je crois en event. C'est cancer ça. Ouais, on va piller un peu. Le prestige. Dieu sait que j'en ai bien besoin. Pillon, pillon. Putain, pauvre Assam, il se fait défoncer. 4-5, il fait quelle taille? 93, ah, je peux l'annexer complet. Ah, c'est une bonne nouvelle. On va aller piller ça. Toi, le petit pays, je te fais la paix. Voilà. Est-ce que toi, petit pays, Imbuan, tu acceptes mon offre de Petit paix? Non, pourquoi? pays, petit Bah, j'ai pas pays. fini de te payer. Te piller, ne me bouge pas, Jacques. Limbuan, acceptes-tu mon offre? Non, toujours pas. Lui, il va aller piller ça là-bas. Mon gars, ton pays, je te l'ai complètement ruiné. Est-ce que tu acceptes mon offre de paix? Toujours pas le tigre, va te faire reculer. Tu occupes tout mon territoire, tu m'as pillé toutes mes ressources, mais non, non. Bon, on va attendre le mois prochain. Oui, le Ming, je paye. Je suis occupé, je paierai pas plus tard. Ah, voilà, toi, je te rase. Ah, c'est parti de Kazan. Il tape la Moscovie, c'est bien, c'est bien. Voilà, la lampille. Chaque partie, ça fait chier le Moscovite, ça me fait plaisir. Tout ce qui peut emmerder le Bon, russe, bon, moi, bon. je prends. La DAC, tiens-moi, c'est quoi? Ah, Sam, il s'est fait défoncer le cul. Here is Johnny! Ah. Ah bah oui, hein, le vertissement c'est valable jusqu'en février. Fin février, moi c'est bon, je considère qu'il n'y a plus de vertissement possible hein, de la part de Moscou. Hein. Ils n'ont pas renouvelé, c'est leur problème. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'à Sam, j'ai promis des territoires hein, sur ma Et guerre. alors? Ben, le problème, c'est qu'il va être sorti de la guerre, j'aurais pas eu le temps de lui donner de territoire. Oh, c'est triste ça. Ouais. L'autre, là, il est parti se balader, Tyrut et la DAC. Tyrut, c'est quoi? C'est ça. Donc, Tyrut, il va bientôt sortir de la guerre. Moi, pendant ce temps, j'en profite, je pille comme un porc. Il faut moi hein, son pays à celui-là. Voilà, 60... je suis remonté à 65, j'ai repris 4 points. Ah, et après, je vais aller lui raser la DAC. Ah, le siège de Tyrout est terminé. Ok. Donc, Tyrout. Minou va chez moi. Voilà.
Ah, il y a eu le Tungding de fin d'épisode, donc bon. Bon, bah, vu qu'il y a le Tungding, on va s'arrêter là, les gens. Hein? Ouais. On va vous dire donc bye bye, et je pense à demain pour la suite de la série. Allez, ciao tout le Au revoir monde! les gens.